Cet horaire de tournée de Nicole Croisille est un véritable bijou. Tout a été minutieusement préparé. Moyenna, elle travaille sans arrêt. Oui, mais as-tu prévu des jours de repos? Oui, le jour de l'an. Le jour de l'an? Oui, je sais, je sais, je sais. Je suis comme toi. Je comprends pas que les gens arrêtent de travailler le jour de l'an. Parfait, Luc, le jour de l'an. J'ai pourtant essayé de la faire travailler partout le jour de l'an. Personne n'en voulait, même pour la BGM, à cause du jour de l'an. Est-ce que je peux voir, t'es toujours autant en faveur de nos belles traditions? Les traditions? La soirée du jour de l'an. Rien de plus stupide. Écoutez, les enfants, faites-vous quelque chose ou avez-vous des projets pour le jour de l'an? Bon, ben, Mario, sais-tu, on parlera de ça un petit peu plus tard, parce que là, faut que j'aille chercher Nicole Croisée à l'aéroport, puis je suis déjà en retard. Comment t'es en retard pour aller chercher? Ben oui, son avion vient de partir de Paris, alors si je veux arriver en même temps qu'elle à Mirabel, je suis mieux de partir tout de suite, hein? Fait, tu sais qu'au jour de l'an, j'ai l'habitude de recevoir ma famille. Mais cette année, j'ai décidé d'élargir mes horizons. Je vous souhaite tout en famille pour le jour de l'an. OK? C'est très bien, Mario, mais on en parlera une autre fois, veux-tu? OK, OK. Viens-nous ici. Avec plaisir, patron. Luc, c'est le Grand Théâtre de Québec qui voudrait nous parler au sujet de Nicole Croisille. Eh bien, on va prendre l'appel dans mon bureau. Patron, pendant que vous êtes là, je voudrais vous en profiter pour vous inviter pour le jour plus de l'an. Plus tard, plus tard. Comme ça, tu nous invites au jour de l'an? Et ça va nous permettre de fraterniser un petit peu plus. Hein. On se voit toujours juste à l'occasion du travail. Ah, comme ça, tu penses pouvoir te libérer pour penser pouvoir venir chez nous? Certain! Chez nous, on n'est pas bébé du monde en famille, fait que c'est bien plate. Ouais. Ben, tu vas t'en recevoir, ma fille, que je fais l'éduquette, ça swing. Hey, on va venir à un party dans le cadre, dans mon sous-sol, que je vais venir en antépine! Oh, une belle horloge qui reflète dans le notre. Patron? Patron, allez-vous venir? Où ça? Chez nous, jour de l'an, tout le monde y est. Qui ça, tout le monde? Voyons, patron, il y a Huguette, il y a Huguette, puis il y a Huguette. c'est une phase, voilà. Non, il y a Geneviève, puis Luc aussi. Ah non, Mario, j'aime mieux dire tout de suite de ne pas compter sur moi. Il n'est pas question que je laisse ma pauvre mère toute seule le soir du jour de l'an. Avec regret, on va se passer le Luc. Oui, mais moi non plus, Mario, ce sera pas possible parce que je pars pour New York. Mais pas dit, vous êtes supposé partir juste le 3 janvier au matin? Ah, ben c'est changé. Je pars le 31. À minuit. Bon, à quelle heure tu veux qu'on soit là, Mario? Le 31? À minuit? Hein? Hein? Mais non, voyons, attends, non, vous autres, c'est 5 heures l'après-midi, le temps de prendre un petit cordial, de jaser avant d'être trop pacté. Hein? J'espère que Geneviève va pouvoir venir, elle. Geneviève, mais évidemment, voyons. Geneviève aime les fêtes de famille, les chaudes rencontres sympathiques, fraternelles. Elle sera ravie, j'en suis sûr. Ah, mais si Geneviève vient, le bureau va être très bien représenté. Ben, merci pour moi. Oh non, chien, non. Avec toi, j'envoie les deux plus belles femmes du bureau et le plus bel homme de tout l'édifice. Mario. Oui, ça te fait rien, hein? On a deux ou trois petits points à régler, Luc et moi. Ah, hein? Oh, rien ou pas pour nous autres, faites comme chez vous. Viens m'être conduit. Mario! Oh, oh! Ça sera pas Gaëtan! Mario, je vais te montrer quelque chose que je t'ai apporté pour ton bar. Oh, merveilleux. Regardons ça, je suis assez bête et impoli. Mais ça là, que je t'introduise à mon patron, M. Lemay, mon beau-frère Gaétan. Gaétan, mon beau-frère, mon patron, M. Lemay. Ouais, ça fait plaisir, Gaétan. Moi tout. Ça me fait plaisir de rencontrer le monde qui travaille avec Mario. Écoute, Mario, ton bureau, là, c'est pas aussi calme que la façon dont tu m'en parles. Ah, c'est peut-être parce que j'ai pas rencontré tout le monde. Ah, ben rencontrons M. Luc. Ça me fait plaisir. Salut, frisé. Et qui plus est notre secrétaire, Huguette. Bonjour, mademoiselle. Très, très bien, ta secrétaire. Oui, jolie, jolie. Hein? Sais-tu que si j'avais ça, moi, comme cliente, j'y ferais faire un petit voyage gratis. Il ferait faire un petit voyage gratis, sympa. Oui. Patron, il est chauffeur de taxi. Chauffeur de taxi. Ben oui. Ah, bon.
Comme je te disais, mon lait. Oui. Coudonc, boss. On l'appelle patron. Ah oui. C'est vrai qu'il a l'air fancy aussi. Hein. OK. J'ai la petite fille de ma cousine Henriette qui fait du tap dance comme une professionnelle. Moi. Tu sais, Linda. Oui, Linda. Oui, avec Linda. Ça, c'est une petite fille qui est bien bonne. Fait que je me demandais, étant donné que c'est votre business d'engager des jeunes talents, si vous ne vouliez pas passer une audition à cet enfant-là. Gaétan. Non, elle est bien bonne. Oui, elle n'a jamais comprends. Pris le coup à danse parallèle. Oui, à danse parallèle. Mais un autre tantôt. Excusez-moi. Ton taxi, es-tu en bas? Oui, j'ai mis Parklet dessus. Bon. Ils sont pas trop cochons pour l'étiquette en bas? Extrêmement cochons. C'est vrai? Faut payer le stade. Je pense qu'on va retourner dans mon bureau. Ah. On est fait, patron. C'est les deux plus travaillants du bureau. Bon, comme ça, t'avais quelque chose à boire, mon lait. Excusez-moi, hein, faut que je retourne travailler. Allez-y. Oh, mon Dieu. C'est pas mal, secrétaire. Appelle pas, pis c'est juste. Bon, comme ça, c'est ça que tu montres. Un bel arborette blanc avec des petites pépites golden dessus. Oh. Ça, je pense que ça va flasher correct. Extrêmement bon. Hein? Peux-tu venir m'installer ça à soi? On m'a essayé, mais il y a Lucille qui m'a demandé d'aller plugger sa nouvelle fixture. Ah, puis, il faut que je fasse de l'overtime sur mon taxi. Oh. 9h30. Moi, y aller. Ah! En cas, ça, c'est le genre de fin. Ah, est-ce que Jean-Jacques est dans son bureau? Oui. Ah! Hey! Vous connaissez, vous? Vous êtes jeu quelque part? Ah, oui, madame, c'est un des plus gros poulains du bureau. Ah, ouais? C'est quoi son nom? C'est pas Mireille Mathieu, ça, Dana Moustaki, Tu brûles, là, ça s'en vient, ouais. C'est drôle, sa face me dit quelque chose, j'arrive pas à mettre un nom dessus. Gaétan, laisse-moi t'introduire, Mademoiselle Croisée. Mademoiselle Croisée, Gaétan, mon beau-frère. Bonjour, monsieur. Enchanté. Ça, c'est Geneviève. Bonjour. Bon, alors, si nous, on continuait. Reste un peu, voyons, Nicole. Tu fais un bon voyage. Très bon, merci. Nicole puis moi, on se tutoie parce qu'on est des grands amis. Hein, Nicole? Oui. Voyons. Puis, t'as changé tes cheveux. Oh, juste un petit peu foncé. Non, Nicole. Nicole, c'est-tu ton vrai nom? Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. T'as fait un bon voyage. Oui, ça très va. Bon, salut. Je t'ai préparé une tournée sensationnelle. Je vais t'accueillir la suite. Bon. C'est le temps d'aller défaire mes bagages à l'hôtel. Bien entendu. Geneviève, tu peux la raccompagner à son hôtel? Bien sûr. Geneviève, dérange-toi pas. Je suis sûr que ça va faire plaisir à Gaétan d'aller conduire. Gaétan, ça te fait plaisir d'aller conduire Mademoiselle Croisée à son hôtel? Pense bien. Les artistes, je suis habitué avec ça. Moi, j'en ai déjà reconduit. La dernière fois, c'était à Roméo Pérou. Je l'avais pris sa réceptatrice pour le café de l'Est. Gaétan, pressé. Gaétan, ça ne me dérange pas. Tu dois y aller moi-même. Mais non. Écoute, Geneviève, c'est pas la peine. Je vais partir avec M. Gaétan. Ben oui. Allez vivre ici. Le connaissez-vous, vous, Roméo Pérus? C'est un de nos grands comiques. Cré Gaétan! Mon Dieu, qu'il y a donc de l'entre-genre. Il peut se lier socialement avec n'importe qui. Sauf qu'il faudrait peut-être arrêter de considérer Nicole Croisée comme une bête de cirque. Comment Nicole Croisée une bête de cirque? Ben, Geneviève a raison. Ça vient tannant pour une vedette de se faire montrer du doigt. Nicole Croisée! C'est Nicole Croisée, je t'ai dit que j'étais. C'est justement pour ça que je l'ai invitée à dîner chez moi ce soir, pour qu'elle ait la paix. Il va y avoir juste moi, mon frère Jérôme et ma mère. Comme ça, on va pouvoir relaxer. Bonjour tout le monde! Bonjour, madame. Est-ce que c'est possible que j'ai rencontré Nicole Croisée dans le corridor? Oui, maman. Oh! Quand je pense qu'elle va venir dîner à la maison, je vais pouvoir lui poser 1000 questions sur son métier. Je te préviens, maman, il faut faire ça très simplement parce qu'elle vient à la maison pour se reposer en amie. Oh, inquiète pas, Geneviève. Ça va être très, très simple. On va la recevoir dans notre intimité, comme un membre de notre famille. Oh! Bonjour, Mademoiselle Croisille. Bonjour, madame. Soyez la bienvenue dans le modeste appartement de ma fille. Donnez-moi votre nom. Je vous présente mon jeune fils, Jérôme. Bonjour. Enchanté. Donnez-vous la peine de vous asseoir. Merci. Mais enfin, maman, je t'avais pourtant dit de faire ça très simplement. Mais c'est très, très simple, ma chérie. Si j'avais voulu y mettre le paquet, ce serait autre chose. Oh, est-ce que je peux vous offrir quelque chose à boire? Avec plaisir, maître. Non, je t'en prie. Merci.
Madame a sonné. Oui, mon brave. Ces gens ont soif. Après tout, c'est le temps des fêtes, n'est-ce pas? Bien, madame. Dites-moi, Nicole. Vous permettez que je vous appelle Nicole? Bien sûr. Dites-moi, quelle est votre conception de la chanson aujourd'hui? Eh bien, la chanson... La chanson, c'est... La chanson, ça sera toujours la chanson. Oh! Oh, génial! Tout simplement génial! Tu as entendu ça, mon petit Jérôme? Oh, plaît-il? Oh! Il va falloir que je m'en aille. Oh, déjà? Déjà? Ben c'est parfait, je vais aller te reconduire. Non, c'est pas la peine. Je crois que M. Gaëtan devrait me chercher. Ah, voilà. C'est lui qui arrive. Bonjour tout le monde! Hein? Réglé comme un horloge. Parfait. Y a-t-il, Coco? Pauvre Nicole, votre chauffeur me paraît bien familier. Ah, non, je suis pas son chauffeur. Je suis son chum. Y a-t-il, Coco? Au revoir. Son chum. Ici, Luc, c'était bien entendu. Luc, on ne peut absolument pas changer son maintenant. Elle doit y aller à Rimouski. Mais pas du tout. Il faut aussi qu'elle se repose. Je peux quand même pas la faire travailler le 1er janvier. Mais oui, mais on s'était entendu avec Rimouski. Mais pas du tout, ma pauvre Geneviève. C'est toi-même qui disais ça. J'ai rien dit du tout. Branchez-vous. Arrêtez de branler dans le manche. Nicole Coiseuil est dans mon bureau. Ah, il va-tu à Rimouski ou bien il va pas? Non. Oui. Oui, hein? Bon, on annule Rimouski. Tout ça à cause du jour de l'an. Vous allez comprendre, le jour de l'an, il faut qu'on se repose. C'est sacré, c'est la tradition. Avoue que t'as surtout l'intention d'amener Nicole faire du ski. Moi? Mais voyons, j'arrive même pas à parler encore. Mario, pendant que j'y pense, oui. N'oublie pas que pour le calcul des dépenses de Nicole Croisine, il faut inclure le spectacle à Rimouski. Mais voyons, patron, il semble qu'on a... C'est tout arrangé, ça, avec Joseph. Nicole va se rendre à Rimouski le 2 janvier au matin. Sur l'avion personnel de Jean Boisbriand. Oh. Alors, comme ça, elle va pouvoir passer son jour de l'an à Montréal. Mm-hmm. D'ailleurs, ma femme et moi, on pensait l'inviter à venir à la maison. Ah, non, je l'amène faire du ski! Hey, Nicole est assez vieille, elle décidera par elle-même. Ah! Non, va-t'en. T'as pas supposé aller à New York, t'as dit? Quand j'ai dit ça, j'ai dû me tromper. Hein? Mais dis ça, quand j'ai été chez nous au jour de l'an? C'est que... Oh, t'as raison! Ah, je me suis pas trompé. Oui, c'est ça. Tu vois, il y a la banquette. Le 31 au soir. Ah, non, manquez son avion. Qu'est-ce que tu veux, mon Mario? Notre métier rempli d'impondérables. Hein? Impondérables? Mais laisse faire, laisse faire, laisse faire. Ah, okay. Parlant de laisser faire, Geneviève, vas-tu pouvoir venir chez moi la veille du jour de l'an? Ben, c'est que... Mais en tout cas, compte pas sur moi. Il faut que je reste avec ma pauvre mère qui est malade toute seule à la maison. Puis moi, je pars pour New York. Et puis, sais-tu, Mario, je viens juste d'y penser, là. Moi, je peux absolument pas y aller parce que... Il faut que je sois à Québec. C'est la rencontre traditionnelle des Hamelins. Mm-hmm. Je peux pas manquer ça. Ah. Je suppose que c'était pas une bonne idée. Tu vas à Rimouski. Formidable. Ben. Ah ben, comme ça, je vais pouvoir voir les traditions québécoises un petit peu. Ça t'intéresse? Ben, évidemment que ça m'intéresse. Je t'inviterais bien chez nous pour le jour de l'an, mais je suis sûr que tu aurais une bonne raison pour pas venir toi non plus. Ah bon, pourquoi ça? Oh, ben, chez nous, tu sais, comme tu sois le jour de l'an, des sept corps et toute ta patente. Mais c'est à Montréal, ça? Ah, ben oui. Voyons. Mais alors, pourquoi tu m'invites pas? Ben, je t'invite certain. Tu m'invites? Ben, viendrais-tu? Ben, évidemment. Tu viendrais? Ben, c'est sûr. Bon, ben, faut que j'annonce ça à ma femme. Elle va être folle comme un balai. Le gars va être aux vaches. Ah, ben, mon Dieu. Hey, Gaétan va être là pour ça. Thérèse? C'est Mario. On va-tu reconnu, mon poulet? Hein? Hey, devine qui c'est que j'ai en face de moi. Hein? Une grande chanteuse française. Hein? Ben non, elle est morte. Qui? Mireille Mathieu, ben non, une belle, j'ai dit, une belle. Tu sais, ouais, celle qui chante, là, Femme au
Mais non, plutôt pas France Castel. T'es d'une Française. Tiens, moi, son premier nom, Nicole. Nicole. Mais non, pas Cloutier. Voyons donc, une Française. Pense-y, là, Nicole, Nicole. Non, pas Nicoletta. Attends un peu. Nicole quoi? Tu sais, les enfants font jouer ses records tout le temps, là. Nicole quoi? Nicole Croisé, c'est ça, oui. Va. Ah. Ta place, là? À votre place. Ça t'avait échappé, elle vous avait échappé. Ah. Bon, ben, elle va venir pour le temps des fêtes. Hein? T'es-tu content? Bon, OK. Oh, excuse-moi, as-tu besoin de quelque chose? Ben non. Ben non. Je trouve une grosse agaceuse. Je te demandais pour l'épicerie. Hein? Non, vous êtes rien. OK, d'abord. M'acheter un chou pour mon chou. Fait 10 ans. Bon, c'est ça. Bonjour, mon boule. Bonjour, mon petit là. Bye bye. Ah, on va aller annoncer ça aux autres. Ça se peut plus. Ça, c'est heureux et content. Après toi, Nicole. Huguette, permets-moi de laisser-moi te dire que tu seras pas la seule femme du bureau à venir chez moi-même la veille du jour de l'an. C'est vrai? Ah, mademoiselle Croisée sera des miens. Oh, c'est extraordinaire! Comme ça, vous aimez ça, les petites fêtes de famille, les rencontres amicales? Ah, moi, je trouve ça très charmant. Ah. qu'est-ce que vous faites demain à 5 heures? C'est pourquoi? J'organise un shower pour une de mes amies qui va se marier la semaine prochaine. Viens de riez-vous? Un chat quoi? Ouais, shower. Huguette. Ça n'a aucun sens, voyons. Il faut convaincre Nicole de ne pas aller chez Mario. Oh, t'as absolument raison. D'autant plus, ça va la fatiguer beaucoup trop. Chez moi, au moins, elle serait tranquille. Chez Mario. Une bande de 40 personnes à giguer toute la nuit. Nicole serait plus tranquille si elle était venue faire du ski avec moi. Dire que j'avais tout prévu pour son repos, la paix, Luc, loin de tout. Luc, c'est Jean Trudeau du Gala des Vedettes. Il voudrait savoir s'il doit toujours envoyer des photographes au Mont-Saint-Anne pour le lendemain du jour de l'an. Ah ben, on est en conférence, hein? Je le savais. Ouais. Bon, en tout cas, je vois vraiment pas comment on pourrait amener Nicole à changer d'idée sur son jour de l'an. Vous êtes jaloux parce qu'elle va chez Mario. Oh. Yep. Les vrais artistes aiment être avec le vrai monde. Vous nous l'appelez-tu? Je vais quand même essayer d'arranger ça. Mais non, dans le fond, elle a peut-être raison. Gail, si Nicole a le goût de ce genre de soirée, ben pourquoi pas? Tu vas pas recommencer, non? Allô, Nicole? C'est Luc Vézina. Oui, voilà. Je t'appelle, Eva, à propos de cette soirée, de soir du jour de l'an. Oui, c'est ça, chez Mario Duquette, notre comptable. Oui, voilà. Alors, en y réfléchissant bien, on s'est dit, Geneviève et moi, que tu ferais mieux de te reposer le 1er janvier. Non, mais tu comprends, tu donnes un show le lendemain à Rimouski, hein? C'est fatigant. Enfin, méfie-toi, Nicole, hein? Méfie-toi des grandes distances au Québec. Écoute, Nicole, je dois faire appel à ta conscience professionnelle. Bon, d'accord. Ouais, ok. Elle veut rien savoir. Elle tient absolument à aller chez Mario. Non. Bah. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a qu'une chose à faire. Aller chez Mario, nous autres aussi. Non. Comme ça, en étant sur place, on pourra limiter les dégâts. Surtout la sortir de là avant minuit. Bah, on va y aller. Marquez que. C'est pas parce que j'ai le goût, moi, non plus, hein, parce que la femme de Mario et moi... Disons que c'est pas tout à fait mon genre. Mais Thérèse, ça passe. Mais le reste de la famille, les oncles, les tantes, les... Oh, là, là... Viens, attends, ma Thérèse. Prends ton temps, là, tu te plais. Je pense que t'es familière avec tout le monde. Oh, certainement. On se voit pas souvent, mais on s'oublie pas, hein? Comment ça va, monsieur Lemie? Ah, bien. Belle jeune fille. Bonjour, Antiquette. Puis Monsieur Vézina, mon meilleur. Tu sais, Luc, ma femme a toujours un petit kick sur toi. Je trouve que c'est le petit gars le plus cute que je connaisse. Encore célibataire? Si je t'ai pas marqué. Téléprendriez-vous un petit quelque chose, Fanny? Ah non, merci. Il faut que je file, hein? J'ai de la papa d'affaires pour le jour de l'an. 50 invités. 50? 50 invités, toute la parenté va être là. Ah oui, puis il faut que je me force à part de ça, hein?
C'est pas tous les jours que Nicole Croisière vient manger chez nous. Croisille, mon petit lard, croisille. Je trouve que c'est bien de valeur que vous puissiez pas venir. Je les ai invités autant comme pour autant. Tiens, prends Geneviève, là. Faut qu'elle aille voir sa mère à Québec. Sa parenté compte dessus. C'est donc de valeur. Non, justement, j'en ai parlé à ma mère ce matin. Puis finalement, cette année, ils ont décidé de faire ça au roi. Au roi? Oui, c'est une bonne idée. On oublie toujours les rois. Alors finalement, je serai libre pour le jour de l'an. Et comme ça, tu vas pouvoir venir chez nous? Ah, si l'invitation tient toujours. Et certainement, je suis donc contente. Moi de même, Geneviève. Puis vous, monsieur Lemay? Insiste pas, mon petit lord. Le patron prend son avion le 31 au soir à minuit. Et il peut pas, c'est un changement de dernière minute. Justement, là, cette histoire de voyage à New York, là, ça me cause bien du trouble. Ne me dites pas qu'on a encore changé les dates. Mais oui, à dernière minute. Ça a été reporté à la fin de janvier. Après les rois. Comme ça, vous allez pouvoir venir chez nous, vous aussi? Si vous voulez toujours m'accepter. Mais certainement! Patron, vous me remplissez d'émotions, ça me va direct au cœur. Finalement, il n'y a rien de vous, là, qui pourrait pas venir. Montrognon, insiste pas, il faut qu'il s'occupe de sa maman. Insiste pas. Mario? Oui? Bonjour, Madame Duquet. Bonjour, ma belle-fille. Il y a un téléphone pour toi. Hein? Je pense que c'est Nicole Croisille. Je vais prendre ça dans mon office. Parlez-moi de... Comme ça, il n'y a rien que vous qui pourrez pas venir. Pour vous dire la pure et franche vérité, je sais que vous allez trouver ça un peu bizarre, chère Madame Duquet. C'est moi, Thérèse, voyons. It's cute. Passerie, lui. Toujours est-il, n'est-ce pas, que... ma maman doit se rendre chez mon frère, n'est-ce pas, qui habite à... Donc, il sera moins important, dira même moins urgent que je me trouve chez ma mère le soir du jour de l'an. Vraiment? Oui. Oui, et d'autant plus, n'est-ce pas, que chez mon frère, ils ont une grosse famille. Attends, comme ça, vous... Vous allez pouvoir venir chez nous, vous aussi? Oui. Mais ma chère enfant! Tout le bureau va venir! Mais oui! Luc, j'ai assez hâte que vous rencontriez la belle Rito. C'est ma cousine du bas du fleuve. puis le grand Tonio Drouin. Il tient un magasin de chaussures, lui. Je suis sûre que Geneviève l'aillera pas partout. Puis vous, patron. Je pense que vous allez entendre très bien que mon père. Il est comme vous, lui. Il aime bien femme par boisson. Figure-toi que tout ton bureau va venir. Mais oui! Heureusement, parce que je viens d'avoir Nicole Croisé au téléphone, puis elle m'a dit qu'elle pourra pas venir. Perdu, toi, de le trouver. Bim!